Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des choix que je vais devoir faire. Comme vous avez vu au tout début, j'ai fait brillant parce qu'il avait une carte intéressante. J'ai joué un match avec. Il a traversé tout le terrain, il m'a claqué un but du turfu. Le match, ça va être Manchester City Lyon, match de Ligue des Champions, bien sûr. Hop, on va le faire là. Ils ont retenu Ederson, Walker, Fernandinho, David Silva, Bernardo Silva, Tata, Rusanu, Marcello, Marcel, Cornet, Traoré. Hop, on lance. Bon, on va parler. Déjà, on va regarder les entrées. Hein. L'équipe stylée. Hein. Hop. L'année prochaine qui seront modélisées. Hein. Et voilà, bon, on va parler de SBC intéressant. Vous avez vu Roao Félix? Il a une carte, mais waouh! En fait, je voulais le faire, mais il faut le 80 de collectif et j'ai un peu la flemme et tout. Vous voyez, d'acheter, hop, faire le collectif. J'ai testé, j'avais 71, oh non, ou 61. Qu'est-ce qu'il fait? Ederson qui prend des risques là. Ouais, ce qu'il fait, je vais vous mettre à l'écran sa carte avec ses étoiles et tout. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, voilà. Ce qui fait qu'il a une carte très intéressante. Après, moi perso, j'aime pas trop jouer avec. Parce que sur le peu que je l'ai testé, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Après, ça peut être intéressant pour faire des défis ou des trucs comme ça, mais voilà. À propos du SBC 89+, j'aimerais bien le faire. Sauf que il faut que je teste plein de joueurs, parce que 87. Et j'ai réfléchi à Benzema. Je joue plus Samsung. J'ai cru que j'allais être trop content de jouer avec, mais en fait, ça me fait chier parce que j'ai aussi mené Depay et Mahrez. Que ça me fait trop d'attaquants et voilà, c'est lui. Je l'avais dit de façon que je jetterai dans un SBC Valverde parce que j'ai déjà Wayne Rooney qui rentre et tout. Kingsley Coman, je sais même plus rentrer, je m'en fous complètement. Et si je veux jouer avec sa carte, je prends la spéciale Ligue des Champions comme ça, hop, ce qui est quasi plus intéressante que sa carte normale. Bah, sa carte se mérite. De quoi je vais dire aussi, je vais vous mettre en capture. Il y a Phillips aussi que je veux faire partir et Avert. C'est deux milieux que je vais jamais rentrer. Je n'ai pas envie de les faire rentrer, j'aime pas. Phillips, c'est le même style que Valverde. Ouais, ça me divertit pas. Même si c'est une des meilleures cartes de la EFL. Avert, pareil. À chaque fois, je lui laisse une chance, mais il est pas présent. C'est que vous me direz en commentaire si je les jette. Je vous montre le résultat de comment ça fait dans mon équipe quand ils sont plus là. Les réservistes, ce sera ceux qui seront jetés. Je vous mets ça là pour le but. Alors voilà, ce qui fait que je vous le mettrai peut-être en... J'ouvrirai peut-être en vidéo. Peut-être, hein, j'ai dit peut-être. ou alors je le ferai hors vidéo, je vous montrerai ce que j'ai eu. Après vous me direz en commentaire si je le fais ou pas. Après voilà, hein, j'attends vos avis. Voilà. Vous voyez, Vurp, avec qui je fais tout le temps des vidéos, il a acheté Ghost of Tsushima, c'est ça, hein, le nouveau jeu. J'aurai peut-être une vidéo vite fait dessus pour tester. Après, voilà. Lui, vous irez voir sur sa chaîne, il fera des petits let's play. Comme ça, hop, vous verrez un petit peu, il fera des petites vidéos sur l'histoire. Comme ça, si vous avez la flemme de l'acheter, hein. Vous verrez jouer. Son premier let's play, je crois qu'il sort aujourd'hui. Il y en a un autre demain qui ressort. Et voilà.
après ça vous regardez et hop. Et ça lui ferait plaisir hein, que vous regardez ses vidéos. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? FIFA 21, ils ont perdu les droits sur la Roma. Malheureusement. Ouais. Ils ont perdu les droits, ça fait que bah voilà, ça fait le choc Juventus AS Roma. Il y a le competitive mode, c'est genre c'est l'ordi va s'adapter à comment tu joues à toi. Par exemple, hop, tu joues hyper dribble et ben il va essayer de contrer tes dribbles et tout. Ce qui peut être intéressant de jouer avec ça. Mais ça sera encore plus dur, c'est-à-dire surtout pour l'ultimate, pour l'ultimate team, ouais. L'année prochaine, l'Inter et Milan, ils ont leur stade officiel, hein. Ils ont leur vrai stade. Hein. Ouais, bah voilà, on va regarder la fin du match. De toute façon, si j'ai d'autres trucs à dire, hein, je le dis en cours de match. Hein. Allez. C'est vraiment serré ce match, hein, par contre. Aïe, aïe, aïe. Cette vidéo va durer 10 ou 11 minutes, même plus. C'est complètement fou. Allez, oh, allez, oh, allez, oh. Raison, je crois que j'ai parlé de tout, alors. Ça, ce match, c'est celui auquel je vais plus se suivre. Hein. Deux clubs que j'aime bien qui s'affrontent. C'est beau. Après, Leipzig Atlético de Madrid, ça va être aussi un beau match. Paris Atalanta, je m'en bats clairement les couilles. Et Barça Bayern, pareil, je m'en bats les steaks. Parce qu'il n'y aura pas de match. Il y aura. C'est. Ce sera pas amusant. Alors que Leipzig Atlético, ça va être vla serré. Oh, bien joué! Et Manchester City Lyon, bah j'ai envie de voir si Lyon ils se battent. Voilà. Hop. Lyon aïe 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 hein. J'aurais peut-être une carrière sur PES, pas le 20 mais sur le 18 pour faire retour aux sources pour ceux qui s'y jouent. Après je vous ferai peut-être une vidéo aussi PES 2020 où je vous montre mon équipe. Et franchement dans les packs c'est ouf hein. La PES hein. Je sais pas pourquoi tout le monde y joue quasi maintenant. Les chances, j'ai commencé bah, tout début. Après j'ai arrêté pendant toute l'année, j'y ai pas joué. J'ai eu Ronaldo 97 dans le premier pack. Hein. J'ai ouvert un pack Ronaldo 97. J'ai fait ok. J'en ouvre un autre, j'ai eu Coutinho. Sur un autre de mes comptes, j'ai eu Johan Cruyff. J'ai fait ok. Lyon qui a gagné. Allez. Voilà, hein. C'est tout ce que je vous avais que j'ai à dire. Vous me direz. Si la carte de roi Roflix pour vous est intéressante, je pense que oui. Hein. Et si je jette mes joueurs, voilà. Hein. N'hésitez pas à aller regarder les let's play de Jurp. Et voilà. Hein. Bon, allez, hein. Je vous dis bye les gens.